Expression faciale excessive, flèche rouge inutile, emoji moisi, putaclic sur 20. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Le moment que tout nouveau fursuiter redoute est arrivé, je dois laver ma fursuit. Oh, ça fait peur et j'espère sincèrement ne pas avoir à renommer cet épisode comment j'ai détruit ma fursuit. Sans compter que ma buildeuse, qui est quand même un dragon, ne manquerait pas de me carboniser sur place. J'aime pas trop bien l'eau, tu sais. Tu pues le chat! Tu pues le chat, tu pues le chat. Bon, en vrai, j'ai pas attendu que la fursuit ait une odeur. Je préfère pas en arriver là. Non, vous avez bien fait. Après chaque session de fursuiting, je pulvérise à l'intérieur un mélange composé d'eau et d'alcool isopropylique. Je les dose à 50-50, mais vous pouvez varier les proportions en fonction de vos besoins. J'y ajoute une ou deux gouttes d'eau de Cologne. En pulvérisant l'intérieur de la tête, je protège les yeux dont la peinture pourrait souffrir du mélange désinfectant. Après la pulvérisation, je laisse la fursuit bien aérée pendant au moins une heure ou deux avant de la ranger. Mais cette fois, c'est un lavage complet qui s'impose. Je remplis un bac d'eau tiède, pas chaude du tout, attention, auquel j'ajoute un peu de lessive pour laine et linge délicat. J'y dispose les éléments de la fursuit en pressant chacun d'eux afin de libérer l'air et faire pénétrer le mélange. Puis je laisse poser quelques minutes. Je sors la fursuit du bac, un élément à la fois, en prenant bien soin d'équilibrer le poids pour ne pas tirer sur le tissu. La fourrure imbibée d'eau est assez lourde. Je vide le bac d'eau que je remplis aussitôt avec de l'eau fraîche, froide et sans lessive. J'y remets le tout et je presse délicatement chaque élément pour bien la rincer. Autant prendre son temps pour ne pas risquer d'abîmer tout en retirant bien la lessive. Je vide ensuite le bac et je presse de nouveau la fursuit gentiment pour en faire s'échapper autant d'eau que possible. Je dispose ensuite chaque élément face à un ventilateur en utilisant des ratés d'impression 3D afin de laisser entrer l'air. Au bout d'une demi-heure, je retourne les bras et les pattes pour sécher l'autre côté. Je répète cette opération jusqu'à ce que ce soit bien sec, quitte à y passer l'après-midi. Et c'est long, c'est très long. C'est très 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 long. Une fois la fourrure sèche, j'utilise une brosse à chevaux dans le sens du poil. Ça va tout seul, pas besoin de forcer, on n'appuie surtout pas sur la brosse. Et je secoue pour redonner le fluff. La tête est construite sur une base de mousse et j'ai ajouté un ventilateur dans le museau. Je vous mets d'ailleurs un lien en description vers l'épisode 65 d'Electronique et vous où j'ai fait ça. Je ne veux donc pas l'immerger, et je lave au gant de toilette, toujours avec de l'eau à peine tiède et un peu de lessive pour laine et tissu délicat. Je la rince du mieux possible en insistant sur la mousse intérieure. Je la sèche face au ventilateur en commençant par l'intérieur. J'utilise le ventilateur de la tête pour aider à faire circuler l'air à l'intérieur, c'est là, autant l'utiliser. Une fois la tête bien sèche, j'utilise de nouveau la brosse à chevaux dans le sens du poil. Puis je secoue. Fluffy le pilou, ça fait du bien de te voir en forme. Attention, ceci n'est pas une vidéo de référence pour laver votre fursuit. J'ai pris beaucoup d'avis autour de moi et chacun semble avoir ses propres méthodes avec des façons très différentes d'ailleurs. J'ai donc pas la prétention de vous donner la bonne méthode. Il y a des risques, sachez-le, et certains dégâts ne se voient que dans le temps. Partagez cette vidéo, c'est très important pour faire connaître l'émission. Envoyez-la par exemple au fursuiteur qui aurait une forte odeur. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour ne rien rater et rejoindre le canal Telegram de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt.